Donc je m'appelle Mathieu Delauzin, je suis le chef du restaurant Delauzin à Gignac, village en plein cœur des terrasses du Larzac. On va aujourd'hui préparer une recette barre de ligne cuite à basse température au four vapeur qu'on va accompagner avec un travail autour de l'endive et du lard fumé. Cette recette, on va l'accompagner également avec une purée de céleri, une petite note d'épices, donc curry curcuma. Puis on viendra fleurir cette recette avec un petit peu d'oseille, un petit peu de moutarde et quelques cressons. On servira également cette recette avec donc un vin rosé des Côtes-du-Rhône, du château d'Aqueria, sur l'appellation Tavel, par Vincent et Bruno de Besse, sur un millésime 2012, composé essentiellement de grenache noire, mais également de clairette, un peu de syrah, mourvèdre, cinsault, bourboulinque et picpoul, avec des vignes qui sont âgées en moyenne de 40 ans. C'est un millésime qui peut largement égaler celui de 2007. Donc ici, on a un céleri rave qu'on a épluché, qu'on a coupé en cubes et qu'on va mettre à cuire dans du lait salé pour garder justement la couleur blanche du légume. Une fois mixé, on aura vraiment une belle purée bien blanche. Si on cuit ça dans de l'eau, on va avoir quelque chose qui va être beige plutôt. Voilà, pendant ce temps-là, on va préparer l'endive. Donc ici, on a une endive qu'on va mettre à cuire tout simplement dans du jus d'orange et du beurre. Donc voilà, orange, vous mettez deux oranges pressées, un morceau de beurre. On met notre endive dedans et on va la mettre à cuire tout doucement à petit feu en l'arrosant régulièrement avec le jus d'orange. On va également y ajouter un petit morceau de galanga. C'est beaucoup plus fruité, beaucoup plus frais et moins piquant que le gingembre. Moi, j'aime beaucoup. Puis ici, on a du bar, un bar qui fait entre 3 et 4 kg. On a prélevé un joli pavé dans le cœur du filet. On a mariné avec un petit peu d'huile d'olive. Au passage, au préalable, on l'a assaisonné avec du sel et du sucre pour raffermir un petit peu les chairs et avoir un poisson qui soit à la fois plus moelleux mais plus ferme. Et puis, on va cuire ça à 65 degrés dans un four vapeur pendant à peu près une petite dizaine de minutes. Ici, on a notre endive qui est cuite, donc elle est vraiment bien confite. On l'a simplement ouverte en deux et on a enlevé le cœur, parce que c'est le cœur qui est assez amer en fait et que les gens n'aiment pas bien souvent. Donc on a tranché l'endive en deux, prélevé le cœur et ensuite on va la remettre, on va la reconstituer comme ça. Ici, on a du lard fumé, donc vous avez des fines tranches de lard fumé. Voilà, on va procéder donc au montage de cette endive lardée. Vous étalez une longueur de papier film et on va juxtaposer nos fines tranches de lard, comme ça. On va venir râper un petit peu de cette racine de galanga sur le lard, pas trop parce que c'est assez puissant. On va prendre un petit peu de curry. Voilà. Ensuite, on vient poser notre endive. Et là, étape très importante, on va tout simplement l'enrouler dedans en serrant bien. Donc là, on serre bien comme il faut pour chasser tout l'air. Donc là, on a une jolie endive qui est cylindrique. Voilà. Et maintenant, on va cuire le lard. Parce qu'il n'est pas cuit, donc on va le mettre à cuire en même temps que notre poisson qu'on a déjà mis au four. Là, on a notre endive qui est cuite, qui a été refroidie pendant quelques minutes. On a ôté le papier film et maintenant, on va la passer à la poêle pour faire griller un petit peu le lard, pour développer un peu les arômes. On va la faire griller légèrement. Donc voici donc l'endive, une fois qu'elle est donc passée à la poêle, on a fait juste un petit peu colorer le lard sans trop, parce que ça prend vite des goûts brûlés si on l'a fait trop colorer. Donc on va simplement parer les bouts. Donc là, on a notre poisson qui vient juste de sortir du four et qui est cuit. On va simplement ôter la peau. Voilà. On va retirer cette partie un petit peu grasse qui, moi, ne me plaît pas trop. Voilà, comme ça, on récupère vraiment un joli pavé de barre. Une fois que notre céleri est donc cuit, on va le mixer. Donc on obtient une jolie purée blanche comme ça. On égoutte le légume du lait. On met dans le mixeur toute la pulpe cuite de céleri. On commence à mixer et on détend avec le lait de cuisson pour avoir la texture qu'on veut. Moi, j'ai voulu quelque chose qui soit assez fort en goût. Donc il n'y a quasiment que le légume cuit là. J'ai ajouté juste une petite noix de beurre. Donc on a mis notre purée de céleri au milieu de l'assiette. On va venir déposer notre joli filet de bar. Il est bien moelleux, il est bien fondant. Donc puis là, on va venir poser une endive comme ceci, puis une endive comme cela. On va venir y ajouter un petit jus de rôti, simplement là, un petit jus de viande. Si vous faites cuire un petit poulet rôti, vous récupérez un petit peu de jus. Et là, on va venir poser quelques salades, donc un peu d'oseille. Un petit peu, ça c'est de la hache démarrée, ça a un très fort goût de céleri. Donc justement, ça va venir rappeler un petit peu le goût du céleri rave. Et ici, quelques moutardes pour apporter un peu de piquant. Voilà, pour apporter un petit peu de couleur, un petit peu de curcuma. Donc ça, là, c'est terminé, voilà.
Donc avec cette recette de bar cuit basse température avec purée de céleri et endives lardées, on va servir donc un vin rosé par Vincent et Bruno de Bèze de l'appellation Tavel du château d'Acaria en Côte-du-Rhône sur le millésime 2012. C'est une belle couleur, hein. Donc le rosé qui va apporter une note de fraîcheur, qui va venir contrebalancer le côté grillé et fumé du lard, un accord encore une fois intéressant.